Yo Snapchat, aujourd'hui c'est la fête nationale et ce soir tous les saisonniers sont off. Du coup, on organise un grand feu sur la plage. Mais moi, je me suis dit qu'un 21 où ça pète pas, c'est pas un 21. Donc, j'aurais préparé une petite surprise. Anto ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Non, rien. C'est quoi ça ? Non, rien. Allez, viens. Moi aussi j'ai une surprise. Une surprise ? Oui. Viens. Ok. Wow! C'est pour partir en patrouille? Ouais, on va changer, on y va. Yes! C'est encore ? Mais non, c'est mort, je te dis, il n'y a plus une goutte. Okay. Merde ! J'aurais dû m'en douter, hier on est tellement radin, il attend toujours que tous les bateaux soient secs avant de faire le plein. Ok, bon. Comme à mon avis, on va rester ici un petit bout de temps. C'est le moment pour moi de te faire ma demande. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Axel, accepterais-tu de... d'être, enfin... devenir ma copine. Oh putain. Putain, tu m'as fait peur, t'es con. Je croyais que t'allais me demander en mariage. Oui, j'accepte. De toute façon, on est déjà ensemble. Si tu veux, on pourra même mettre une petite photo sur Facebook pour m'officialiser. T'es bête. Allez, on fait. Allez, viens. Ça va ? Oh, toi, c'est froid ! Ah ouais, je sais. Allez. On va quand même rester en mer un petit peu de temps. Le temps rentabilisé. Ok, j'en ai eu. Voilà. Ouais, man, et dans une heure, on fait tout péter. Allez. Oh, c'est dégueulasse. Ah, oh, c'est ça, non, c'est ça. Ok. Next. Ah, les gars, vous jouez avec nous ? Ouais. Ah, ouais, non. Ok, alors. Je n'ai jamais fait le plan à 3. Oh, oh hey, hey, wow. Attention, parce que trois filles qui se touchent pas, ça mec. Oh, arrête. C'est quoi la suite ? Je ne me suis jamais fait larguer. Santé ! Toi, tu bois pas ? Bah non. Ça m'étonne pas. Fais gaffe, t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est qui, Damoclès ? Oh, laisse-le, il est dans son délire. Ah bon, c'est moi qui délire ? C'est moi qui délirais aussi quand tu chopais Anto sous mon nez alors qu'à la veille, on était encore ensemble. Mais Sacha, on n'a jamais été ensemble. Putain, on en a déjà parlé. Mais mec, t'as dit toi-même que t'en avais rien à foutre d'elle et que tu t'en servais juste comme bouche-trou. Attends, quoi ? T'as dit que j'étais un bouche-trou ? Mais je le pensais pas. Bah, en tout cas, mon trou, t'as bien eu du mal à le boucher. Ça, t'as pas le droit, ok ? Putain, meuf, t'as pas le droit de dire ça. Il était super amoureux de toi, il est encore. Ah ouais, comme toi t'es amoureux de Julie. Ouais, je suis amoureux de Julie et quoi? T'es tellement égoïste, ça m'étonnerait. Moi je suis égoïste? Ouais, t'es égoïste, tu penses qu'à ta gueule, qu'à ton petit succès personnel auprès d'Yeroun. Attends, je prends ta défense, c'est comme ça que tu me remercies? Gars, t'es juste jaloux en fait. Ouais, bah voilà, bah alors on est tous jaloux. Ouais, depuis le début t'arrêtes pas de lui lécher le cul à Yeroun. T'as pas remarqué que c'était un gros pervers? Mais c'est pas un pervers les gars. Mais t'as de la merde dans les yeux ou quoi? Oh toi la guide, ça va hein? Tu me donnes des leçons sur l'amour, t'es même pas capable de brouter le même minute deux fois de suite. Mais mec, mais calme-toi. Ça tes clés, tu sais les ouvrir, mais ton cœur tu l'ouvras à personne. Mais t'es qu'un connard. Putain,
Putain, Nathan, je te reconnais plus. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah, mais c'est parce que c'est plus Nathan. C'est DJ Mystique maintenant. Il n'y a plus que ça qui compte. Les soirées VIP, bien se faire voir. Et surtout laisser tomber les potes à la première occasion. Ah, t'es complètement malade. C'est qui a aidé Anto pour le chef étoilé? C'est qui t'a aidé pour la balade à cheval? Attends, quoi? Tu crois vraiment que l'idée de venir de Sacha? Ben non, c'était moi. Je voulais l'aider à te reconquérir. Mais putain, mais c'est pitoyable. Et même ça, tu crois rien. Putain, mais tu déconnes là. Putain, mais... Hey. C'est quoi, là, ouais.